Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School, hein, What's in my bag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et puis bah c'est parti, hein. Donc moi, ce que j'ai comme sac, ce que je vais prendre, c'est plus des tote bags. Avant, je prenais des sacs à main, puis après des sacs à dos. Et là, je me suis dit, les tote bags, c'est plutôt pas mal, plutôt pratique. C'est pas très lourd en plus, donc c'est plutôt bien. Donc celui-ci, il vient de chez Shein, dans mes souvenirs. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Il est plutôt bien parce qu'en fait, il a une fermeture. Donc c'est hyper pratique. Tu peux vraiment le fermer comme tu veux. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui tombe. Donc voilà pour le petit sac. Je vous le mettrai en barre d'infos. Vous avez toujours mon code promo de Shein. Je ne sais plus lequel c'est. De toute façon, tout est marqué en barre d'infos. Et vous avez aussi 6% de cashback avec Poupéo. Si vous êtes intéressé pour acheter des choses sur Shein, n'hésitez pas à activer votre cashback. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout d'abord, moi je prends souvent soit des gobelets Starbucks. Donc j'en ai plein dans le placard pour en fait aller à Starbucks et me prendre un café le matin quand j'ai le temps. Et quand j'ai vraiment pas le temps ou pas forcément l'argent, et bien je me fais moi-même mon cappuccino. Donc je mets, vous savez, la poudre puis l'eau, ou sinon je le fais directement à la cafetière et c'est super bien. Donc ça vient aussi de chez Shein, c'est un petit thermos panda. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé sur le trajet pour boire un peu de café pour se réveiller, parce que moi le matin je suis HS. Du coup ça c'est vraiment un indispensable. Je peux mettre aussi de l'eau fraîche quand il fait chaud, et quand il fait froid, un petit café ou un petit thé. Ensuite, j'ai mon porte-monnaie. Celui-ci vient de chez Primark. Je l'ai pris en jaune pour mieux le voir dans mon sac, mais le problème c'est que il se salit vraiment très très vite, donc c'est chiant. Il y a ma petite carte étudiante, ça y est, j'ai reçu mon petit ma petite étiquette là où il y a marqué licence 3, je suis trop saucée. J'ai mes papiers, j'ai tout en fait dessus, et ça prend vraiment pas de place. Ensuite, j'ai mes clés de voiture. Je sais pas pourquoi, mais je les prends tout le temps avec moi. Je me dis au cas où, voilà, j'ai besoin de la voiture, je suis pressée, etc. Je sais pas. Au cas où, les clés de voiture toujours avec moi. Et le porte-clés, c'est un Donald. Je l'ai retrouvé dans mes affaires au déménagement de Villejuif. Je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai un porte-clés Donald alors qu'à l'époque, j'aimais pas forcément Donald. Ensuite, j'ai mon téléphone. Bon, ça, c'est vraiment un basique. C'est un Xiaomi. Je sais plus lequel c'est, mais c'est un Xiaomi. Il est vraiment très très bien. Et j'ai fait, je vous l'avais montré dans un vlog, moi-même, les petites perles au niveau de mon téléphone pour faire un petit bracelet pour pouvoir le tenir. C'est trop trop bien, il y a marqué Panda Pi dessus. Ensuite, j'ai une mini trousse, donc ça normalement ça s'accroche au niveau du bullet journal. C'est une mini trousse comme ceci. Je sais pas si le focus va se faire, mais je l'ai pris en gros sur le site de Stationery Pal. Et en gros, en fait, tu l'accroches au un cahier, n'importe lequel, et à l'intérieur on peut mettre donc des petites affaires. Donc j'ai mis des stylos, un crayon à papier, une règle et un marqueur. Donc je prends souvent ce genre de petites choses parce que parfois on a besoin de stylos pour répondre à un formulaire, faire une signature ou autre. Donc c'est bien d'avoir nos propres stylos, nos propres petites fournitures comme ça. En plus, ça prend vraiment pas de place et c'est super léger. Du coup, ça, je vous le conseille vivement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai une pochette qui vient de chez Emma. C'est une ancienne collection, je crois. Elle est plutôt jolie. J'aime beaucoup les petites fleurs et tout, c'est assez mignon. Et à l'intérieur, vous avez un masque chirurgical. Voilà, j'en ai marre. Ensuite, vous avez une petite pochette comme ceci, où il y a marqué Elisa. Il y a tous mes tickets resto dedans, donc au moins je sais où ils sont pas perdus. Donc voilà, petite pochette, je l'avais acheté au marché, ça je crois. Ensuite, j'ai mes chargeurs, n'oubliez pas vos chargeurs, c'est hyper important. Chargeurs d'iPad, de téléphone, de AirPod, de tout ce que vous voulez. N'oubliez pas vos chargeurs, parce que vraiment, des fois, on est en panne de batterie, on est un petit peu dans la merde, on se dit comment on va faire. C'est bien de les avoir sur soi, au moins on est tranquille pour la journée s'il y a un problème. Ensuite, j'ai mes clés avec des petites porte-clés qui viennent de chez Monsieur Wonderful, je vais vous en montrer un. Alors, moi, j'ai l'ananas, mon copain, il a la pastèque, donc c'est des porte-clés couple, donc c'est plutôt rigolo. J'ai aussi le sushi, lui, il a le maki, donc c'est celui-là. C'est trop mignon. Alors celui-là, il est un petit peu éclaté, c'est notre premier porte-clés qu'on avait acheté à Disney. C'est tic ou tac, je sais plus. Et en gros, c'est deux noisettes, je sais pas si vous allez bien voir, qui se collent ensemble quand... parce que mon copain, il a le deuxième. Donc ça se colle ensemble, c'est assez mignon, mais par contre, il est éclaté. Et mon papa, il m'a acheté pour Noël un truc pour mettre sur la clé, donc c'est un petit panda. Donc je l'ai mis sur mes clés de boîte aux lettres, et c'est trop mignon. Ensuite, j'ai toujours un petit labello, un rouge à lèvres, hydrate tes lèvres, etc. Donc j'ai celui-ci qui vient de chez Nars, qui est la teinte Tauride. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Il est super bien, il est assez orangé, et il hydrate super bien les lèvres. Donc ça se présente comme ceci.
Il est trop joli. Donc ça, c'est aussi dans ma petite trousse. Et ensuite, il y a mes AirPods. Donc j'aime bien mettre en fait des trousses parce que ça regroupe bien les affaires. Au moins, ça c'est pas du tout éparpillé dans tout le sac. Donc c'est plutôt pas mal, surtout dans les tote bags où c'est un peu le bordel parfois. Au moins là, c'est organisé, c'est dans une trousse. Toutes les petites choses sont dans des trousses. Donc au moins, ça tombe pas. Et la dernière chose, c'est mon iPad. Alors c'est ce qui est le plus lourd dans mon sac. C'est un iPad Pro 12.9, le dernier là, le M1. Et en gros, vous avez le clavier qui va avec. Donc j'ai acheté une coque Logitech. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est plutôt pas mal. Au moins, tu peux bien travailler. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la coque Logitech. Vraiment très bien. Et le lien de mon iPad si ça vous intéresse. De toute façon, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus sur mon iPad au tout début dans une vidéo Back to School. Et vraiment, n'hésitez pas à les checker si ça peut vous intéresser. Bon, franchement, l'iPad, c'est un truc de ouf, mais là, il est vraiment lourd. La coque, elle est très très lourde. Du coup, ça pèse un petit peu, tu sais, sur l'épaule. Très bon iPad, très bonne coque. J'ai rien à dire là-dessus. Ça fait le taf, c'est super bien. Et sinon, ce que je mets dans mon sac, c'est souvent les plats que je prépare. Donc, soit des sandwichs que je prépare, soit une petite gamelle. Et ça, c'est avec des Tupperware IKEA. Donc là, ils sont dans le lave-vaisselle, ils sont tous sales. Du coup, je peux pas vous les montrer, mais voilà, c'est Tupperware basique de chez IKEA. Donc, je prends ça pour manger le midi. Sinon, sur Shein, j'en ai vu. C'est des petits. De petits trucs repas avec les fourchettes intégrées dedans, pas cher du tout. J'en ai vu avec d'autres marques, genre Bento, je crois, c'est super cher. Et un peu la même chose sur Shein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Shein pour les trucs repas, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour mon petit What's in my bag, c'est très pratique, hein, ce genre de petites choses. Au moins, ça prend pas de place, c'est super bien, c'est pas très lourd. Donc prenez des tote bags, franchement c'est plutôt pas mal, c'est en plus c'est joli. Et les sacs à main, généralement, voilà, comme je vous dis, ils sont un peu plus lourds, et les sacs à dos aussi c'est pareil, ils sont un peu plus lourds, donc ça fait encore plus de poids, et au bout d'un moment, à la fin de la journée, on en peut plus. Je prends aussi mes lunettes anti-lumière bleue pour la fac. Ça dépend en fait, si j'ai beaucoup beaucoup de cours, je prends mes lunettes anti-lumière bleue. Si j'ai juste un cours, je les prends pas, je les laisse sur le bureau. Donc voilà, ça, on est déjà fini cette vidéo. C'était assez court, mais voilà, pas besoin d'épiloguer plus là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac de cours. Est-ce que c'est un sac à dos, sac à main, etc. Si vous avez des choses que vous mettez en plus dans votre sac à main, votre sac à dos, peut-être ça peut m'intéresser, parce que j'avoue, j'ai pas grand-chose dans mon sac à main, en fait. Hein, je viens de capter. Après, voilà, je peux prendre mes livres aussi, je peux prendre ce genre de choses, mais c'est vrai que, en fait, avec l'iPad, quand on n'a plus besoin de cahier, on n'a plus besoin de classeur, on n'a plus besoin de ce genre de choses, du coup, j'ai moins de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain, 16h30, pour une nouvelle vidéo.